Ah. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bon mercredi soir, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Je pourrais dire comme des influenceurs, hein? Hello la gang! Bon, retenez. Drôle de journée. C'est une drôle de journée, on dirait que c'est la pleine lune. Me fait menacer, engueuler. On me traite de menteur. Je pense que j'aurais pas de béton non plus. Et on va parler de la chronique que j'ai faite ce matin sur le lien employeur-employé. Mais avant toute chose, on va aller vous dire bonjour. Bonjour, vous allez me faire sourire ce soir parce que j'ai mangé de la marde toute la journée. Salut! Ben, salut Nathalie Poitras, bonsoir. Charles Bourgeois, bonsoir, bonsoir. Louisa Desbiens. Daniel Larivière, bonsoir. Christian Thibault, le premier. Salut, salut. Mario, toujours présent. Pierre Audet, Richel Fortin. Je sais pas aujourd'hui, hein. Tu sais, si j'étais sensible, je pense que je serais en petite boule en train de pleurer. Vous me bardassez, là. Merci, Sébastien. Vous me bardassez comme si. Je ne sais pas pourquoi. Hey David, bonne fête encore. Je vais te le souhaiter là, parce que je l'ai manqué hier. Je devais le faire en direct. Fait que je te l'ai fait un peu un matin à la fin du show. Là, je te le fais en direct en premier lieu. Fait que tu vois, gars, je te le fais encore. Hein? C'est gratis. Allez, salut Isabelle. Oh, Eric, salut. T'es déjà arrivé chez vous? J'espère. J'ai reçu ma commande. Hey, parfait, Karine. Nicolas Comtois, je te déteste déjà. OK? Parce que Nicolas, hier, Jonathan est allé livrer 24 chaudières de popcorn pour qu'il puisse mettre dans sa place avec d'autres popcorn. Un très bon client au délice de la place. Mettons tout le temps au délice du palais ou au délice de la place, Nicolas. Je m'excuse. Puis il a donné des millefeuilles à Joe. Fait que là, Joe a amené ça tantôt. Fait que là, j'en ai donné à ma soeur. Moi, j'en ai donné à tout le monde. Là, je veux juste m'en garder un petit peu. Là. Joe en a mangé deux, je pense, pour dîner. Normalement, des fois, je fais le dîner. Nous, on t'aime. Ben merci, Robert. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je ne sais pas pourquoi qu'aujourd'hui... Écoute, on va vous faire une chanson. Je risque encore de me faire engueuler comme du beau pourri. On va vous la faire pareil. OK? On va vous la faire pareil, ma toune. OK? J'aime ça chanter. Ça fait du bien. Hein? Madame Caouette, t'as pesé sur le piton? Laissez-moi chanter maintenant. Voix, je vous demande de la découvrir hein, pendant que je chante. Je l'ai déjà chanté. Voix, c'est moi qui fais ce soir le premier pas. On s'ennuyait un peu, mon cœur et moi. On revient près de toi. Moi, en noir et blanc, je vois passer les jours comme un brouillard qui tournerait autour. Des choses de l'amour, je sais. En amour, il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Qui chante ça? Let's go! Hein? Bulle de marabout. Annick, ouais. Oui, je vais chanter. Ça me fait du bien chanter. Comme ça me fait du bien. Non, c'est. My God, que je suis mauvais chanteur. C'est Julio Iglesias. Je l'ai déjà fait. J'adore tellement cette chanson-là. Je l'avais dans la tête. Puis j'avais le goût de la chanter. Il est généreux en plus. Oui, très. On a rien que des bons employés ici. J'ai hâte de vous présenter les nouveaux parce que, tu sais, Jonathan, on en parle. Jonathan. Tu sais, à boire être mon fils, là. On n'est pas obligé d'en parler tout le temps, là. C'est pas mon fils, c'est une joke. Fais le refrain, je viens de le faire, le refrain. Tu vois, le refrain, c'est ça, là. OK? Je sais, en amour, il faut toujours un perdant. OK? Voilà, c'est ça, le refrain. Ne quittez pas, c'est pas un show de chanson, là. Hey, c'est toi qui chante. Oui, c'est moi qui chante. Hey, on va commencer par... On va commencer.
OK. Tu sais, il y a une madame Desjardins qui était ici, là, puis elle me faisait du harcèlement sexuel en privé. OK, c'était vraiment du harcèlement, puis je l'avais bloqué. Et je ne sais pas comment, j'ai dû mal la bannir ou quoi que ce soit. Elle est revenue, puis elle a recommencé à m'insulter, puis les chansons, c'est out, puis elle apportait que du négatif. Elle va sur ma chaîne YouTube, puis je sais que c'est elle, puis elle fait tout le temps des dislikes sur tout, fait que c'est désagréable. Et je pense que vous avez compris qu'ici, là, c'est pour être des choses. On va donner notre opinion, puis on va s'amuser, mais il reste qu'il faut que ça soit agréable. Et ce matin, puisque je l'avais empêché de communiquer, je ne pouvais pas y envoyer un message de bêtise en privé, fait que je l'ai envoyé le temps qu'elle voit. Et après ça, bon, ben, je l'ai éliminé. Parce qu'à un moment donné, garde du harcèlement sexuel, c'est non. Okay? Un petit flirt, là, dire « Ah, François, tu parais bien aujourd'hui, j'ai pas voulu l'écrire en privé. Vous pouvez m'en écrire. » Mais le reste, c'est non. Okay? C'est non. Okay? Faut respecter ça, là, tu sais. Fait que, mais elle, c'était vraiment trop direct et vraiment désagréable. Fait que là, j'ai une façon de le bannir. Il y a une femme qui voulait dire que, à mes écrans privés, la dame, elle me dit « Tu chantes tellement faux que j'achèterai plus jamais de tes produits, puis je veux plus rien savoir d'écouter tes émissions, tu chantes comme une casserole. » Hey! Qu'est-ce que je fais avec ça? Je fais 4 émissions par jour, OK? Je le fais par peu plaisir. Je le fais, OK, c'est pas con, là. Vous voyez le nom en arrière, françoislambert.one. Mais il reste que, oublions ça, là. OK? J'écrivais sur ma page même avant d'avoir la boutique. Donc, je le fais depuis toujours, depuis 2012. Mais, tu sais, j'ai pas d'obligation, là, me faire menacer de pas acheter mes produits parce que je chante 10 secondes comme un pied. À l'occasion, je vais me rapprocher un peu de quelque chose qui ressemble à une chanson, là. Moi, j'aime ça faire ça. Puis je sais que la plupart des gens, malgré tout, ont hâte de voir comment je vais fausser. Okay? C'est un passage obligé. Okay? Et je fais ça parce qu'honnêtement, j'aime ça chanter, je chante tout le temps. Mais me faire menacer, puis regarde, je m'en vais ailleurs, puis je vais dire à toutes mes amies qui n'achètent plus tes produits, « Hey, c'est du négatif inutile. Là. Hein? Je ne suis pas Radio-Canada. Là. Personne ne paye pour faire ça. Là. Je me lève à 3 heures du matin pour vous divertir puis m'amuser. T'sais, je vais me lever quand même tôt pour lire les nouvelles, là. Mais je ne suis pas obligé de me lever à 3 heures du matin. Je pourrais vous le mettre à 8 heures le matin. Je sais qu'à 6 heures, 6 heures et quart, vous avez hâte d'avoir un peu ma revue. Ça me fait plaisir. Mais si je suis pour me faire engueuler le restant de la journée parce que vous n'avez pas aimé tel passage, puis tel autre passage, puis cette partie-là, vous ne voulez pas que je la fasse, vous ne voulez pas que je parle de la bourse, t'sais, c'est parce qu'à un moment donné, je ne peux pas vivre dans la négativité, là. T'sais. La réalité, c'est que j'arrêterai pas de le faire. Mais je peux pas être dans le négatif tout le temps, là, tout le temps, tout le temps. L'émission, est-ce qu'elle est faite pour tout le monde? Ben, posez-vous la question. Si vous aimez pas du tout la personne que vous voyez, qui vous lit les nouvelles, tu sais, je m'attends pas à ce que Valérie Plante, Alexandre Taillefer, Pierre Fitzgibbon puis le panier bleu achètent de mes produits. Là, hein? On s'entend qu'eux autres, ils se font bardasser régulièrement dans mes émissions. Je ne m'attends pas, mais je pense que j'ai un respect énorme pour chacun d'entre vous. Il faut que le respect soit des deux bords. Bon. Sinon, honnêtement, aujourd'hui, je peux vous le dire, là, j'ai une mauvaise journée. J'aime pas ça, ce négatif-là. Je m'étais fait une couenne pendant longtemps, mais cette couenne-là est tombée parce que là, j'ai trop de fun. Je suis dans la bonne humeur et me faire menacer. Après ça, aujourd'hui, un autre client, une autre menace. Il y a un client qui a commandé mercredi passé. Malheureusement, OK, avec Dicom, il a acheté une boîte, je vais vous dire exactement ce qu'il a acheté. Une boîte de friandises, des épices, cannelle, un pot de popcorn à l'Halloween, un sac de meringue à l'Halloween. Il a reçu lundi, malheureusement, passé l'Halloween. Il nous écrit, « Puisqu'on n'a pas livré à temps, on doit le rembourser. » Hey, on l'a livré de bonne foi. Si tu te prends la dernière minute pour l'Halloween, je ne suis pas responsable de tout non plus. Nous, on a pris la commande. On a mis quelqu'un derrière l'ordinateur. Il y a un premier shipping label. On l'a donné à un autre quelqu'un. Cette personne-là a préparé une boîte. La boîte coûte 2$. On a mis le stock dedans. On a fait une boîte de friandises. On l'a livré chez vous. Tu nous la retournes. Puis il nous a écrit disant qu'il était pour nous menacer parce qu'on ne voulait pas reprendre la boîte. T'sais. On l'a livré de bonne foi. Ce n'est pas parce qu'il est arrivé une journée en retard. C'est pas cool de faire ça. Okay? C'est comme si lorsqu'on se présente dans un restaurant
et que vous n'y allez pas. Vous prenez une réservation, vous n'y allez pas, mais c'est la même chose. Vous nous avez engagé des coûts, on a payé un shipping label. Puis là, il a dit, ben garde, je vais appeler ma Visa et je vais appeler le consommateur là, parce que vous ne voulez pas reprendre mes produits. Écoute, regarde, on l'a pris, on l'a envoyé de bonne foi. Là. C'est pas un appareil électronique qui est défectueux. Là. Hein? On t'a envoyé du popcorn là, que je suis obligé de jeter maintenant. Tu sais, c'est pas cool, là. Fait que je l'ai appelé, puis il nous a réécrit. Il ne veut pas prendre mon appel parce que tous nos échanges doivent être documentés. Hey man, t'as acheté pour 50$ de produits, là, OK? Calme-toi, t'as acheté 50$ de popcorn. Finalement, la boîte est en même temps que je l'ai. Que je n'étais pas d'accord. Est-ce qu'on le rembourse? Parce que, regarde, à un moment donné, quand il y a un problème, là, on a même déjà envoyé Jonathan chez José Marquis dans le coin de Lorraine, je ne parle pas Lorraine, Varennes, y livrer quelque chose. Parce qu'elle ne l'aurait pas eu à temps. On fait des pieds et des mains pour livrer un peu partout. Mais refuser un colis parce qu'il est une journée en retard, ça ne rentre pas dans vos standards. Commandez plus longtemps d'avance. Moi, je ne trouve pas ça cool. Fait que je l'ai appelé et je lui ai dit que je ne veux plus l'avoir. Tu sais, des fois, là, il y a des mauvaises entreprises et il y a des mauvais clients. Cette personne-là est un mauvais client et je ne veux plus jamais qu'il commande chez moi. Parce qu'il me coûte du temps, de l'argent, de la frustration. Audrey, toute l'après-midi, tu es obligé d'échanger avec ce gars-là pour lui faire comprendre le bon sens. Et à la fin, sa boîte est arrivée, puis il nous dit qu'il l'a pas ouvert, il avait tout déchiré par en dessous en pensant qu'on était trop imbécile. Puis il n'a même pas voulu prendre mon appel ou qu'on puisse jaser comme des adultes. Toute documentation doit être écrite. Hey! Il me semble que j'ai pas besoin de ça. Hein? Hey, avant qu'on arrive dans le lien employeur-employé, j'ai une autre affaire. Tu sais, le béton, là, ici, là, je ne vais pas le dire comme il faut, là, pour ceux qui pensent que je ne le dis pas comme il faut. Là. Mais je vais prendre un peu de message avant, j'en ai vu un paquet là, que je n'ai pas eu le temps de répondre. Pourtant, bien des gens mangent des friandises cette semaine, même si c'est pas l'Halloween. Ben oui, la langue est noire, pareil, puis c'est encore drôle. Manger des friandises de l'Halloween, là, il en reste encore, nous autres, puis c'est encore bon. Okay? C'est bon pour 6 mois, fait qu'il n'y a pas de capot, il ne faut pas capoter. Là. Effectivement, Marie-Ève, quel idiot et quelle perte de temps, surtout. C'est une perte de temps, une perte d'argent. Tout ce qui n'est pas commandé, il a commandé pour 60$ plus 11$ de shipping. Ça, là, c'est 71$ que je viens de jeter aux poubelles. Quand on considère qu'on fait peut-être une pièce et demie par livraison, ça me prend les 71 prochaines livraisons pour être capable de rentabiliser ça. C'est vraiment quelque chose que n'importe quelle entreprise n'a pas besoin. Maintenant, si vous avez un problème, là, gênez-vous pas. Là. Même des supporters qui ont commandé, là, on oublie de mettre le popcorn, je vais le renvoyer à mes frais. Ça fait partie de l'engagement qu'on a avec vous. On l'oublie, on corrige. Mais j'étais un peu fâché, mettons. Faut choisir nos batailles. Aujourd'hui, François, you made my day. J'étais déprimé un peu. J'ai mangé une bouchée de barbe de dragon. C'est bon, hein? Moi, j'ai mangé un morceau. Regardez. Moi aussi, je suis allé manger mes émotions. Pensez-vous que vous êtes les seuls... Salut de... Pensez-vous que vous êtes les seuls à manger vos... Regarde, j'ai mangé ça après. J'étais tellement... J'étais tellement à bout de patience que j'ai mangé du popcorn, que j'ai mangé mes émotions. Moi qui ne prends pas de sucré, aujourd'hui j'en ai pris. Ben écoute, on va continuer comme ça. Vous savez que j'ai fait affaire avec une compagnie locale et pour le béton. Et moi, je déteste me chicaner, mais là, je vais encore passer pour le mauvais gars de la gang. Okay? Depuis le mois de juillet, il a fait tout le contour et on attend. Puis là, il a pris d'autres jobs. Puis là, il a commencé à pleuvoir, il n'est pas venu faire le plancher parce qu'il attendait le plombier. Le plombier vient, il dit, ben là, faudrait-tu mettre un toit? Tu sais, ça me fait penser, là, mon père, là, il voulait, quand on voulait manger de la sauce HP, il nous inventait, quand tu vas savoir, ça veut dire quoi, HP? Quand ça, tu vois, là, puis maintenant, on n'a jamais goûté, là. Ben c'est un peu la même chose. Mon frère, il texte, il répond pas. Fait qu'aujourd'hui, je l'appelle, il répond, je dis, bon, quand est-ce que tu viens faire le béton? Il fait beau demain, t'es supposé. Ouais, j'ai d'autres jobs à finir. Simonac, je suis là depuis le mois de juillet. Il me semble que je dois passer en priorité à un moment donné. Là. As-tu fini ta tôle? Ben non, c'est parce que je n'ai pas de poseur de tôle. Fait que là, ce que je comprends, là, il était supposé me rappeler avant 5 heures. Et là, je vais me ramasser encore. J'ai pas de béton.
et je suis certain que j'ai deux choix avec lui. Là. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas, là. OK? Donc, je fais quoi? Je le poursuis? J'ai un contrat de signer. Il m'a fait signer un contrat. Donc, je fais quoi? Je le poursuis? Qu'est-ce que je fais? Mais encore me chicaner dans la région? C'est ça, des fois, que je déteste, utiliser des gens de la région, parce que quand ils ne livrent pas, hein, c'est pas grave, lui, il ne chialera pas. Mais là, regarde, je fais quoi, là? J'ai pas personne pour faire le béton, alors que ça devrait être fait depuis un méchant bout de temps. Il y a toujours une excuse. Je l'ai appelé aujourd'hui, puis j'ai aucune confiance qu'il me rappelle. Donc, je fais quoi? Bon, j'ai une bâtisse maintenant qui n'aura pas de béton de l'hiver. Je capote, OK? Je capote, ben, si vous connaissez un gars de béton dans le coin, parce qu'honnêtement, j'ai signé un contrat. Donc, un contrat, ça va des deux bords. Donc, je fais quoi? Je me ramasse en cours. J'ai-tu autre chose à faire, moi? Fais juste respecter ta parole. Tu m'avais dit que tu étais pour me rappeler avant 5 heures. Honnêtement, des journées comme ça, qui sont lourdes, viens livrer, viens faire ta job. Je ne le nommerai pas, là. Il se reconnaît, il écoute. Sa femme, elle m'écoute, là. OK? Mais je suis tanné. Viens te présenter à face ici. Viens faire ta crise de job. Oui, je viens te sacrer. Puis qu'on n'en parle plus. M'a te payé. Moi, je ne m'estime pas pour payer, là. Quand les gens se présentent ici, ils me disent, peux-tu me payer? Je fais un chèque. That's it. Je ne suis pas en train de dire, peux-tu me faire des paiements? Mais... pas tout de suite, je ne sais rien. Non, je paye. OK? J'en veux pas de dette. Fait que je paye tout de suite. Mais à un moment donné, livrer. Livrer la marchandise. C'est lourd. C'est très, très lourd. Texter quelqu'un, appeler quelqu'un, puis il ne répond pas. Hey, regarde, quand tu ne réponds pas un texto, puis il y a marqué read, là, c'est de l'impolitesse. C'est choquant. OK? Demain, je vais le nommer s'ils ne viennent pas ici. Moi, je suis tanné. Honnêtement, je suis à bout de ces situations-là. Il faut qu'ils viennent. S'il ne vient pas, mais m'a nommé la compagnie, puis garde, moi, ils poursuivent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai un contrat signé avec lui. Lui, il me fait signer un contrat pour que je respecte ma parole, mais lui, il ne respecte pas la sienne. Puis il faut que je cours après. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne me tente pas d'aller en cours. Voyons donc. Mais maintenant, il faut que ma job soit faite aussi, là. Moi, mes tuyaux d'eau vont tout péter, là, si j'ai pas du béton, là. Je peux quand même pas faire du 2x4 avec une boîte par-dessus, là. Ah! Vont-elles prendre du retard vu de la quantité de commandes en ligne? Je me pose. Non, Daniel. Dans le temps des fêtes, l'année passée, là, on a réussi à livrer, là. Puis, inquiétez-vous pas, là. OK? C'est certain que si tu habites à Havre-Saint-Pierre, puis tu commandes le 23, peut-être que tu es serré un peu, là. Parce qu'il faut que je l'envoie avec Post Canada dans ce coin-là. Mais la plupart du temps, on va vous livrer aussi rapidement. Puis on va mettre probablement une autre structure encore plus rapide pour les gens, surtout de Montréal, pour le temps des fêtes. Mais inquiétez-vous pas, on n'a pas eu aucun problème l'année passée. On a livré jusqu'au 23, puis c'était livré le lendemain 24. Vous prenez des chances, là, bien entendu, là. Mais on va s'organiser, inquiétez-vous pas, pour les livraisons. Oui, une méchante journée, Andréane. Sinon, il va falloir que tu chauffes le béton. Mais je ne peux pas le chauffer parce que je n'ai pas de gars de tôle. Vous voyez comment là, je suis pogné? J'ai pas de gars de tôle. Ça n'existe plus. Là. Ils veulent tous me fourrer. Fait que ils viennent pas. Ah, François Lambert, OK, 100 000 $ pour toi. Hein? Comment 100 000? Ah, ouais, ouais. C'est parce que c'est, nous autres, on est spécialisés. C'est tellement spécialisé, ça. Hey, man, t'es quand même pas un docteur. T'installes de la tôle. Respecte un peu tout le monde. Tu sais? Juste pour déplacer ces gars pour qu'ils viennent travailler ici, en partant, là, j'avais une facture de 4 000 $ par jour juste parce que 9 gars s'en viennent de la chute avec... ils facturent 100 $ de l'heure pour se déplacer. Hey, man! Après ça, ils se demandent qu'en fait, il y a du travail au noir. Come on, c'est pas sérieux. Je sac non ben à soir. Oui, je sac si je taboute puis je prends pas d'alcool. Fait que je me défoule. tu sais, des fois, je vous fais du bien. Mais aujourd'hui, c'est vous autres qui me faites du bien, taboute. Hey, puis c'est pas fini. C'est pas fini parce que, tu sais, je fais mes chroniques sur la bourse. Hein? Puis là, il y a un gars qui me dit, François, je te crois pas, tu peux pas toujours gagner. Mais non, je gagne pas tout le temps. Fait que je suis obligé de, pour avoir la paix, parce que ça me tentait pas de me chicaner puis de m'obstiner. Fait que je te l'ai montré directement de ma RBC. J'ai pris un screenshot puis j'y ai envoyé pour qu'ils puissent voir les transactions que j'ai faites aujourd'hui, parce que j'ai fait, hier j'avais fait 1 000 $, aujourd'hui j'ai fait 682. Pourquoi j'en fais de l'argent? Parce que j'ai appris en perdant de l'argent. Merci pour les étoiles, ça a fait du bien. J'ai appris en perdant à la bourse.
de ne pas courir après la vedette du jour, de ne pas courir après des compagnies obscures qui viennent de monter, puis en pensant qu'on va l'avoir. Bon, non, j'ai tout fait ça, puis j'ai tout perdu. Maintenant, là, je regarde la compagnie, je regarde les statistiques, j'ai ma stratégie, et ça va arriver que je perds. J'ai perdu l'autre jour, une journée. Il y a des journées que je ne transige pas. À matin, ça a parti tout de suite. OK? J'étais à Radio X, puis Dominique Moret m'a réécrit pour me dire que c'était ma meilleure chronique à vie à la radio. C'est vrai que quand je le sentais que ça allait bien, ça allait super bien. Tu me fais rire, mais c'est pas trop. Merci Estelle. Non, mais c'est parce que des fois, faut le dire. Là, quand, à un moment donné, là, je sais pas pourquoi la pleine lune était la semaine passée, mais moi, pour le gars de béton, j'ai pas de tolérance. Là. Quand réponds-nous, donne-nous une date. Là. Donne-nous une date. Arrête de prendre des contrats que tu n'es pas capable de livrer, là, parce que, regarde, tu me mets dans la marde, là. Attends pas après la tôle, man. OK, la tôle, elle ne sera pas installée, là. On va avoir une tôle sur le toit, mais pas ses côtés avant un méchant bout. Fait que, viens faire ta foutue job, laisse-moi faire la mienne. OK? Fais la tienne. Mais, parce que je peux pas aller voir quelqu'un. Faut que je brise le contrat avant. Qui va venir faire du béton en ce moment, là? Okay? Je sais très bien que mes chances sont à peu près nulles. Fait que, faut que je brise le contrat parce que lui, techniquement, il a son contrat. Il va me revenir dessus si je brise pas le contrat. Si je brise le contrat, j'ai pas personne. Je suis dans le fond d'un foutu rang, puis il y a une seule compagnie dans le foutu coin. OK? Faites le lien, là. Vous allez voir que c'est qui. Non, c'est pas une job à mille, effectivement. Puis je suis pas pour le finir quand même au petit malaxeur, là. J'ai 50 par 150. Il n'est pas fini, là. T'es trop rough. Je suis pas rough, moi. Moi, Pierre, la réalité, c'est que je suis pas rough. Je suis intolérant pour l'incompétence et les menteries. Moi, quand je vous dis que ça va être fait pour telle date, c'est fait pour telle date. Si c'est pas fait pour telle date, je prends le téléphone et je vous appelle. Allô? Ouais, tu sais, je devais te livrer, là, mais je t'avertis d'avance, là, je ne serai pas capable. J'ai beau travailler 24 heures, regarde, il y a un problème. Ce qui est important avec les clients, là, c'est de gérer les attentes, constamment. Constamment. Si on a un problème avec vos commandes, moi, ce que je dis à Audrey, appelle-les. Envoie-leur un email, regarde, il manque du beurre, il manque ci, on ne peut pas vous laisser dans le... Fait une semaine et demie, vous avez commandé, ben non, il faut vous le dire. Ça se peut que des fois qu'il y ait des problèmes, ça se peut qu'une machine brise, c'est à nous autres de vous le dire. T'sais? Quand on a livré toutes les maxis cet été, là, c'est une très grosse commande, là. On n'a pas pu les livrer une journée. J'ai dit au client, regarde, à maxi, voici comment on va vous le livrer. Il faut le dire. Après ça, c'est simple. Là. Ma montre, elle me l'a dit 4-5 fois de respirer aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. J'étais trop... J'étais cool. Ça m'enrage, ces situations-là. Moi, j'appelle le gars de béton. Ouais, puis, ouais. Écoute, débordé. Ben, c'est parce que là, on est au mois de novembre, puis je t'ai signé un contrat au mois de juillet. Ouais, c'est, mais là, on a des contrats, là. Tu sais, ben, je m'en calisse. Hey, on va parler de choses positives. Bon, on n'est pas dans la négativité, là. T'sais. Vous avez aimé la chronique ce matin, l'employeur-employé, hein? Pourquoi que je considère mes employés? Parce que j'ai pas d'employés. La réalité, là, moi, là, on est tous ensemble dans la même bataille. OK? C'est une compétition, puis on est tous ensemble. Et il n'y a pas de boss. Il y a peut-être un chef d'orchestre, là, mais même à ça, j'essaie de me tenir le plus loin possible. Moi, je suis tout le temps en train de trouver de nouvelles idées là, pour faire suer tout le monde. OK? Merci, Benoît. Ouais, mon coq n'est pas de bonne humeur, c'est ainsi, avec mes poules. M'a-t-elle l'envoyé pour qu'il picosse le gars? Ouais, et un jour, tu sais, puis moi, je suis assez transparent avec tout. OK? Je suis transparent avec vous, je suis transparent avec les gens qui travaillent ici. C'est toujours été ma force. J'ai pas le goût de tricher, j'ai pas le goût de compter des menteries parce que ça revient tout le temps. Et une fois, j'avais travaillé pour un employeur, puis il m'avait caché. Mettons, il m'avait dit, peux-tu lire le contrat? Puis il avait enlevé comment il me facturait. Puis là, j'ai dit, mais c'est bien cave, tu sais. Je sais bien, là, comment il doit me facturer. Je connais les tarifs, mais il ne voulait pas voir comment qu'il faisait d'argent avec moi. Et ça me tapait ses nerfs. La réalité, c'est qu'il n'y a aucun employé qui vient travailler avec nous à vie. OK? Ça se peut, là. OK? Je pense que ma sœur, elle va travailler à vie pour moi, là. Avec moi. Hein?
Mon frère est prof, quand il a fini sa carrière de prof, ben, il va venir travailler ici à temps plein. T'sais. Jonathan, ben, t'sais, sa carrière est déjà établie. Là. Mais mettons là, pour les autres. Là, Marilyn ne peut pas y travailler ailleurs, c'est ma blonde. Papa, je démissionne. Quoique des fois, elle aurait le goût, je pense. Quand j'y parle de business un samedi soir ou un samedi matin, ou quand je prends l'appel de quelqu'un un samedi soir à 10h, je pense que je l'hérite un peu. Pourquoi tu ne fais pas les murs au complet? Tu vas pouvoir couler ton... Parce qu'on manque de temps, Eric. J'ai pas d'employé, j'ai pas personne. Tout le monde, on faut livrer du popcorn. Regarde, aujourd'hui, Jonathan a fait du popcorn. Après ça, il est allé sur les s'échanger, il est allé sur le toit. Demain matin, il s'en va chercher du popcorn à Saint-Agathe, à Saint-des-Grains. On manque de staff. Et en même temps, on doit bâtir une bâtisse parce que tout le monde m'a laissé tomber des mains parce que tout le monde prend trop de jobs. Où tout le monde arrive et il me dit « Ah, François Lambert, hein? » T'sais? On va le fourrer. Regardez la fausse sceptique. Je me suis chicané avec le gars. Là. Le gars, là, il est en train de chialer après moi dans la région. Là. Il me fait une facture de 40 000 $ pour une foutue fausse sceptique en pensant que je suis assez cave pour la payer. Quand je finis par payer 15 000 $ pour le même job avec quelqu'un de plus fiable. T'sais, c'est ça la réalité, c'est lourd. Ça devient à un moment donné pesant. Fait que oui, le lien d'employeur-employé, c'est qu'il faut accepter que personne ne travaille avec nous. C'est un bout de chemin. Les couples, je pense que c'est la même chose, à part Mélissa là, qui vient de trouver l'âme. Là. Son chum, là, qui, elle est avec lui pour sa vie. Là. Mais puis moi puis Marilyn, puis Robert et Françoise, là. T'sais? Bon. Mais le reste, il faut accepter qu'on fait un bout de chemin ensemble. Il faut le faire le plus agréable possible. Puis quand ça se termine, on n'est pas obligé de le terminer dans la chicane pour dire « Hey, regarde, maintenant tu peux te lancer en affaires. » « Ah, j'ai une autre affaire à vous parler! » Non, mais il y a des moments drôles dans une journée. Mais regardez s'il m'a répondu. Non, je m'amuse. Je m'amuse, Mélissa, j'arrête pas. Tu me connais pas, moi. Je continue. OK, il n'est pas là. Il y a un gars qui m'a écrit, une compagnie qui fait du popcorn. Hein? Fait que j'imagine qu'il est allé voir sur un site d'érable d'ici, puis il a dit, ah, tous ceux qui ont des produits d'érable, moi, les recommuniquer. Fait que Marilyn, elle reçoit une proposition de faire du popcorn. Lui, là, d'après moi, là, il est trop con, OK, pour réaliser à qui il vient d'envoyer la proposition. On peut faire votre popcorn avec... Soit votre sirop d'érable, tout à coup, tout le monde veut faire du vrai popcorn à l'érable, ben, tant mieux. fait que j'ai répondu. Je dis, écoute, je me souviens pas comment il s'appelle. Je serais vraiment intéressé à ce que tu me fasses mon popcorn à moi. Est-ce que je vais prendre mon sirop? Est-ce que je peux voir tes installations? Est-ce que tu es HACCP? Fait que je demande de l'information sur la concurrence. Si je reçois de l'info demain, je vous le montre. C'est qui? OK? Tellement con! Il nous envoie, au lieu de regarder, il va dire oh, pas lui. On l'envoie pas à lui. Il parle de popcorn à l'érable depuis 2 ans. On ne demandera pas de le faire à lui. Hein? J'ai demandé un paquet d'informations. Fait que j'ai hâte de voir. Hein? Pour pouvoir peut-être copier sur ses installations s'il ne réalise pas qui je suis. Il n'a pas dû parce qu'il n'a aucune idée. Qu'il l'a envoyé. Il a envoyé ça à Marilyn. Marilyn, elle me dit, regarde ce que je viens de recevoir. Fait que j'ai décidé de tourner ça à mon avantage. Donne-moi de l'information. Hein? Je vous jure, s'il m'en donne demain, je vais vous le montrer. C'est drôle. Ben, pas sneaky. Le gars m'écrit. Il me dit, regarde, est-ce qu'on pourrait faire votre popcorn? Ben, parfait. Donne-moi des informations. Un autobus. Hey, ça, c'est Marjolaine. Elle passe 6 à 6 heures le soir. Puis 5h30, elle passe encore. Ça fait 42 ans qu'elle fait conduit des autobus. Mais tu sais, on finit toujours avec du positif, Lynn. Toujours, toujours. Ah! Bon, quelques messages. Je pense qu'il ne te connaît pas. Tu es un snoro. Honnêtement, je riais. Quand j'ai écrit l'email, je peux vous dire que je me trouvais vraiment drôle. Là. Écoute, c'est à lui de ne pas. S'il ne se rend pas compte à qui il l'écrit, c'est à lui de ne pas le donner. C'est pas grave. Hein? Côte levée pour souper, moi, du poulet. Je me suis fait cuire un poulet bien congelé.
En plus, on se fiance en fin de semaine. Arrête, arrête, là. Lover. Nicolas, mes doigts sentent ton maudit millefeuille. Hein, faut que je goûte à ça tantôt, moi qui essaie de ne pas prendre de sucre. 27 ans, Marie-André, bravo. Bravo. Ça prendrait une émission de télé-réalité pour tes travaux. Ouais, je pense que tout le monde qui se fait construire en ce moment pourrait faire une émission de télé-réalité. Moi, y aller, t'en monter des murs le week-end. Ben encore, faut-il faire les planches? Hey, voilà! Voilà. As-tu besoin des employeurs marketing? Il y a un gars qui m'a demandé ça cette semaine. Il dit, François, toi, t'es un bon entrepreneur, mais t'es pas mal pourri en marketing, fait que j'aimerais ça aller t'aider, fait que je l'ai reviré de bord, de la façon la plus diligente que j'ai pu, comme débarrasse. Puis il s'est excusé. Puis il a dit, ouais, t'as raison, j'ai été mal un peu. Je me suis mal pris. Les aventures amoureuses de Mélissa, effectivement. Holy chicken. Je suis sur un bus aussi, personne notice. Oh my God. Des fois, tu me tapes, mais plus souvent qu'autrement, j'aime bien, c'est un compliment. Des fois, je vis des hauts, des fois, je vis des bas, mais la plupart du temps, je vis ma vie négrette. Vous ne pensez pas en avoir une en finissant, hein? De valeur, mon frère reste à 5 ohms. Bon, on se laisse là-dessus. Faut pas que je finisse ce sec. L'autre jour, j'ai dit bye, puis j'ai pesé sur le piton, je me suis fait chicaner. 40 ans, j'avais 14-17 ans. Alors, François, pas le popcorn de séparer de ta douce. Pourquoi le monde se mêle de tes affaires? Parce que je me mêle des leurs. Non, la réalité, là, c'est que je me lève le matin toujours de bonne humeur, anxieux de venir lire les nouvelles. Et je me couche le soir, là, comme là, quand je vais préparer mon repas. Et je vais monter dans une heure à peu près, je vais encore regarder un peu les nouvelles. Alors, vous remarquez qu'on n'a pas parlé des élections présidentielles, on s'en balance, on ne peut pas rien faire de toute façon, puis on va vivre avec qui est là. Et je vais me coucher encore heureux. Il y a des situations dans des journées qui me rendent pas malheureux, mais en maudit. Puis on passe à autre chose. Par la suite, demain, c'est une autre journée, ce soir, c'est une autre soirée. Et je ne suis pas jovialiste, peut-être l'eau froide me fait du bien. Tantôt, je jasais avec Jonathan et... juste avant de rentrer en onde, en speedo, complètement dehors, parce que j'arrivais de l'étang. Fait que c'est ça. Moi aussi, j'ai vu Raoul qui me répond, j'aimerais bien ça. Non, j'ai déjà chanté, excellent live. Merci Mario, merci. Merci toujours d'être là. Hein? Vous êtes adorable de me tolérer avec mes chansons. C'est incroyable, cet homme qui ne sait pas chanter, qui a une tribune. Bye.